content de soldats là-bas, papa, puisque tu dis que ce ne sera qu'une toute petite guerre. Pour que ces entêtés de Boer nous prennent au sérieux cette fois, chérie. Quand ils comprendront que Sa Majesté veut mettre fin à leur folie, ils se calmeront. Ils font bien. De toute façon, quand tu y seras, tu arrangeras ça, hein, papa. Je ferai de mon mieux, chérie. Tu vas beaucoup me manquer. Je serai de retour et nous serons réunis avant que tu aies le temps de dire ouf. Je peux dire ouf beaucoup de fois en un an, papa. Mais à la pension, tu auras de charmantes petites amies, de beaux livres, un poney pour te promener. Et puis tu auras Émilie, tu sais. Oui, c'est vrai, il y aura Émilie. Et j'ai l'impression que ce sera une amie compréhensive. Tu ne crois pas, papa? Avec ce front d'intellectuel, j'en suis certain. Une pension très gaie, n'est-ce pas, papa? Je crois que rien ne pourrait nous paraître très gaie en ce moment. Bien, peut-être qu'à l'intérieur, ça sera moins triste. J'en suis sûr. Désolé, monsieur. Je suis désolé. Bien sûr que vous l'êtes. Nous le sommes tous. Sortez-le d'ici. On veut des manières. Livrer une chose pareille par l'entrée principale. Oh, regarde, papa, mon Votre poney. Votre me donnera des explications. Emmenez-le d'ici. Et oui, qu'il s'évapore. Oh non, papa. Oh, pardon. Un petit moment. Oui, monsieur. Mademoiselle Méchain? C'est moi. Je suis le capitaine Array. Je crains de vous avoir causé toutes sortes de dérangements. Parfaitement exact, capitaine Ray. Puis-je entrer et vous expliquer? Entrez. Attendez avec le poney. Bien, monsieur. Je suis désolé. Naturellement, je ne voulais pas qu'il livre le poney à l'intérieur de votre maison. Il y a beaucoup d'autres choses en plus du poney. Toutes les 5 minutes, depuis des heures, on livre des paquets pour votre fille. Suivez-moi, je vous prie. Apparemment, vous ne savez pas, capitaine Ray, que je dirige une des pensions les plus sélectes et les plus fermées de Londres. Oh, si, si, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est précisément pour cette raison que je vous ai amené ma fille. Je n'aurais pas deviné ça à votre façon de faire. Je vous en prie, mademoiselle, cela n'est pas entièrement ma faute. En effet, Sarah et moi, nous venons des Indes. Sarah y a vécu presque toute sa vie. À peine arrivée, j'ai appris que mon régiment partait pour l'Afrique du Sud et il a fallu prendre nos dispositions rapidement. Mais je vous ai écrit, vous expliquant que je ne prends pas de pensionnaire sans entrevue préalable et sans les plus impeccables références. Je vous ai également écrit qu'en ce moment, je n'ai pas la moindre chambre libre. Bien, dans ce cas, papa, nous allons chercher ailleurs. C'est un peu ennuyeux. N'est-ce pas? Votre lettre ne m'est pas parvenue et il ne m'est jamais venu à l'idée qu'une pension puisse ne pas accueillir ma petite Sarah. Évidemment. S'il ne s'agit que de ma situation dans le monde, mon père était Sir George Ray, vous devez le connaître de nom. Oh, naturellement. Et au point de vue pécuniaire, vous aurez tout renseignement voulu en vous référant à la Banque Générale de l'Afrique du Sud. Je suis le principal actionnaire de la société et... Mon frère, capitaine Ray, notre professeur d'élocution et de déclamation. Enchanté, charmé, vraiment. Nous... Les mines de diamants Eclipse n'appartiennent-elles pas à votre banque? C'est nous qui les contrôlons, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je m'excuse de ma désinvolture, mademoiselle, mais la situation est assez difficile. Je pars dans une heure pour l'Afrique du Sud. Je crois que tu vas être obligé de m'emmener avec toi, papa. Oh non, qu'est-ce qu'une petite fille comme vous irait faire en Afrique? Pardon, mon cher capitaine, je crains d'avoir exagéré. Vous savez, j'ai tellement à cœur la réputation de ma pension. Mais après cette entrevue, je sais à qui j'ai affaire. Une si charmante petite fille. Ce sera un plaisir de la voir parmi nous. Ça veut dire que je dois rester? Mais oui. Vous avez ce privilège, vous et votre petit poney. Un si charmant petit poney. J'ai préparé ça pour vous. Ce sera suffisant pour le moment? Oh, tout à fait. Si c'est suffisant, mais c'est formidable. Je vous demande pardon, mais ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? C'est très possible, mon cher capitaine. Votre visage ne m'est pas inconnu. Auriez-vous fait du théâtre? J'ai l'impression de vous avoir applaudi au music hall. Music hall? Mon frère sur les planches, mais c'est ridicule. Ridicule, en effet, tu as raison. Et maintenant, voulez-vous voir la chambre de Sarah? Un instant, mademoiselle Rose. Voici mademoiselle Rose, un de nos meilleurs professeurs. Le capitaine Ray va nous faire l'honneur de laisser sa petite fille Sarah avec nous. Enchantée, mademoiselle. Enchantée, capitaine Ray. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour que votre petite fille soit heureuse. J'en suis certain. Mes enfants, voici une nouvelle élève, Sarah Ray. Souhaitez-lui la bienvenue. Bonjour, Sarah. Bonjour, comment allez-vous?
L'aubergine, Jeannette, ça suffit. Continuez, mademoiselle Rose. Mes enfants? On dirait une petite princesse, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'elle est, une princesse. Et peut-être que maintenant, il y en a ici qui rabaisseront un peu leur caquet. Oh, vraiment? On va voir ça. Princesse, et puis quoi? Fort heureusement, je viens de faire changer le papier et la cheminée a un excellent tirage. Mais je croyais que vous n'aviez plus de chambre libre. Bien, je ne savais pas alors quelle charmante petite fille allait venir. Pourquoi ça fait plus de chambre, papa? La fille de la comtesse de Belley était la dernière occupante de cette chambre. Notre plus belle, bien sûr. Serait-il possible de la rendre un peu moins sombre? Je voudrais qu'elle soit aussi gaie que possible. J'ai ramené quelques petites choses des Indes, mais peut-être pourriez-vous acheter vous-même tout ce qui manquerait. Avec plaisir, capitaine Ray. Je voudrais que ça remonte tous les après-midi, si le temps le permet. Bien sûr, nous avons justement un excellent professeur d'équitation. Je suppose que vous devez penser que je gâte trop ma fille, et sans doute est-ce vrai. Mais si je le fais, c'est pour son bien. Elle n'a que trop tendance à fourrer son petit nez dans un livre et à l'y laisser jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'en tirer. Vous savez, mademoiselle, Sarah n'a pas de maman et nous n'avons jamais été séparés plus de quelques jours. Très touchant. Cela va être extrêmement pénible pour elle. Ne craignez rien, capitaine. Je suis une maman pour toutes mes petites filles. Et maintenant, je vais vous laisser à vos adieux. On a encore combien de temps, papa? Seulement quelques minutes, chérie. Est-ce que tu m'apprends par cœur, ma petite Sarah? Non, papa. Je te connais par cœur. Parce que tu es dans mon cœur. Nous allons être braves, n'est-ce pas? J'ai une idée. Faisons semblant d'être encore aux Indes. Et supposons que je parte quelques jours en manœuvre. Tu veux bien? Nous avons livré ensemble des batailles comme celle-ci. Et jusqu'ici, tu n'as jamais pleuré quand je m'en allais. Tu te souviens? Oui, papa. Mais cette fois, ça va être notre plus rude bataille. Mais nous serons de bons soldats, n'est-ce pas? Oui, papa. Nous nous disons au revoir, comme nous faisions chez nous. Oui, papa. Très bien, alors. Tête haute. Mets-toi devant la fenêtre et regarde dehors. Maintenant, dis-moi comme tu me disais. Mon papa s'en va quelques jours. Mais il sera très vite de retour. Soudain, quand je n'y penserai pas, mon papa me tendra les bras. Mon papa s'en va quelques jours. Mais il sera vite de retour. Soudain... Je ne peux pas le dire cette fois. Je crois que nous ne sommes pas aussi bons soldats que nous le croyons. Aussi, nous le sommes. Je peux le dire maintenant. Mon papa s'en va quelques jours. Mais il sera vite de retour. Soudain, quand je n'y penserai pas, mon papa me tendra les bras. Il faut que je le fasse, il le faut.
Je vais faire semblant d'être à la guerre. Toi, tu seras l'ennemi et toi, tu seras ma fidèle danse. Allez, prêt? On joue? Feu! Aïe! Oh. Je crois qu'il va falloir faire appel au renfort. Salam, Gukmasum Hai. Bonjour. Missy Sahib parle hindoustani. J'ai vécu toute ma vie aux Indes. You are lie, but c'est taille. Oh, Sobdunia, c'est Hatshahai. Missy Sahib va vivre en Angleterre maintenant? Seulement jusqu'à ce que mon père ait fini de mettre les boyers au pas. Alors, le Sahib est soldat? Oui, mon père est capitaine. Capitaine Ray, je suis Sarah. Quel est votre nom? Je m'appelle Ramdas. Au service de l'honorable Lord Wickham et de sa seigneurie Rani. Ramdas! Ramdas! Sahib. À quoi perds-tu ton temps ici? Finis avec cet oiseau et reprends ton travail. Bonjour. Bonjour. Je serai à cette fenêtre presque tous les matins si vous avez envie de parler des Indes. Bonjour, Sarah. Oh, bonjour. Prête pour le déjeuner? Ben, j'essaie de l'être, mais je ne suis pas très adroite avec tous ces boutons. Mon pouce se prend tout le temps dans les trous. Je vais vous aider. C'est bien gênant, les boutons, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu à me boutonner avant, mais j'apprendrai. Oui, j'en suis certaine. Mais mettez votre pied là. Entrez. Bonjour, Sophie. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que la demoiselle a des chaussures à faire? Bien, seulement la paire que j'ai portée hier. Je vais la chercher. J'y vais, mademoiselle. Oh, excusez, mademoiselle. Vous vous êtes fait mal? Non, mademoiselle. Mais vous ne devez pas m'aider, mademoiselle. Étendez les bras, je vais les poser dessus. Oh, alors, si mademoiselle Méchain voyait... Croyez-vous pouvoir en porter encore deux? Oui, mademoiselle. Là, et voilà. Est-ce que ça va? Vous faites toutes ces chaussures-là? Oui, mademoiselle. Et elle les fait même très, très bien. Oh, merci, mademoiselle. Merci de faire mes chaussures. Oh, oh, excusez. Il n'y a pas de mal. Au revoir, Sophie. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Bien, peut-être qu'après tout, ce ne sera pas si triste que ça, cette pension avec vous et Sophie. Oh, il faut nous dépêcher. Mademoiselle Méchain n'aime pas qu'on arrive en retard. Dites, mademoiselle Rose, mademoiselle Méchain est d'aussi mauvaise humeur qu'elle en a l'air. Qu'est-ce que j'aurai à faire aujourd'hui? Bien, après déjeuner, vous aurez classe d'arithmétique. D'arithmétique? Puis écriture, lecture, ensuite un cours d'élocution et de maintien, histoire et géographie. Eh ben, je vais être rudement occupée, n'est-ce pas? Quand est-ce que je monterai mon poney? Plus tard dans l'après-midi, vers 4 heures du soir. Oh! Mes enfants, notre nouvelle élève, Sarah Ray, descend tout de suite. Comme vous le savez, son père est un homme à tout point de vue charmant. Et leur famille est des plus distinguées. J'attends donc de vous que vous la traitiez en conséquence. Vous pouvez prendre vos places. Bonjour. Ah, bonjour, Sarah. Bonjour. Je suis fort aise que vous vous joigniez à nous. Vous avez bien dormi? Non, pas du tout, merci. Venez. Lambertine, vous et Jeannette, reculez-vous d'une place. Sarah se mettra à ma droite à partir de maintenant. Mais mademoiselle, ça a toujours été ma place. Lambertine? Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez en même temps les aliments que votre libéralité nous accorde, ainsi soit-il. Pourquoi prenez-vous du sel, mon enfant? C'était encore vous m'offriez un bon jeu, mademoiselle. Monsieur Gilbert, faut-il sceller le poney pour la petite demoiselle? Je ne crois pas, André. La jument sera mieux pour ses premières leçons. Très bien, monsieur. Viens, mon petit. Bonjour. Bonjour, Gilbert. Quelle chance. La vieille Big vous a laissé sortir. Sarah, voici monsieur Gilbert Hamilton. Mademoiselle Ray est une nouvelle élève. Enchantée. Enchantée. Il paraît que je dois vous apprendre à monter. Ma
m'apprendre. Et pour moi, ça me fera 2 chelins de plus par jour. Oh. Est-ce que 2 chelins, c'est beaucoup d'argent? Ça dépend, tout est relatif. En ce moment, pour moi, c'est une fortune. Bien, dans ce cas, je crois qu'il faut que vous me donniez des leçons. Est-ce que mon poney est prêt? Je crois que pour un début, il vaut mieux prendre quelque chose d'un peu plus calme, hein? Oh. Alors, vous ne croyez pas qu'il faut que je prévienne mon poney? Il pourrait se vexer. Certainement. Les poneys sont des créatures très sensibles. Expliquez-lui la chose en détail. Il est là, sous la voûte. Ça me prendra peut-être du temps. Très bien. Alors, nous vous attendons à la sellerie. Très bien. Bonjour, Général. Es-tu content de me voir? Bien. Si M. Gilbert veut me donner quelque chose de plus calme que toi, je crains que ce ne soit pas une promenade très intéressante. Oh, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Méchain me supprime mes jeudis après-midi. Mais pourquoi? Quelqu'un a dû nous voir ensemble. Est-ce que ça veut dire que maintenant, je ne pourrai plus vous voir seule? Oh, mais non, mon chéri. Malgré tout ce qu'elle pourra faire, nous trouverons un moyen. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là? De quoi a-t-elle peur? Pour quelle raison ne doit-on pas se voir? Les cancans, je suppose. Elle ne vit que pour cette pension et ses idées de ce qui se fait et ne se fait pas. Pensez-vous, ce qu'elle craint, c'est de perdre un excellent professeur qui ne m'y coûte rien. Je ne le supporterai pas, j'irai lui parler moi-même. Oh non, chérie, il ne faut pas faire ça. Elle nous renverrait tous les deux. Elle n'en aurait peut-être pas le temps si ça continue comme ça en Afrique du Sud. Vous voulez partir? Vous ne le voudriez pas si on demandait des volontaires? Bien sûr, chérie. Il faudrait. Oh, Gilbert! Il n'y a pas à se tourmenter pour le moment. Cette affaire Boer n'ira jamais aussi loin. J'imagine que ma visite devrait être un petit peu plus longue. Oh, monsieur Bertrand, est-ce qu'il y en a une ce matin pour la petite princesse? On va voir, ma petite, on va voir. Quand elle ne reçoit pas de nouvelles de son papa régulièrement, ses yeux deviennent si tristes que ça me fait mal de la regarder. Ne craignez rien, mon enfant. Il y a une lettre pour elle cette fois-ci. Oh, que je suis heureuse, monsieur! L'autre jour, un Rubin est venu chez nous. Avec une mauvaise toux. Dans une belle voiture, figurez-vous. Il nous a emmené nous promener. Et là, nous dire les voisins. Où vas-tu tantôt? Pas de taille de boulot. Pas de port. Oh, ils sont drôles les copains. Dans vos voisins, on s'amuse bien. Une lettre? Oui, c'est de mon papa. Ah, c'est bien. Mais pas du tout. Ce sont de très mauvaises nouvelles. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il dit que les Boers ne se comportent pas comme il l'avait pensé et qu'il ne sera peut-être pas de retour pour mon anniversaire. Mais c'est dans des mois, ma chérie. Il peut arriver tellement de choses avant. Il peut encore venir. J'ai cru à Mademoiselle Méchain de te faire une fête d'anniversaire comme je la ferais si j'étais là. Je veux que tu t'amuses et que tu sois heureuse. Achète-toi tout ce dont ton cœur aura envie. Maintenant, le plus important de tout, ma chérie, je veux que tu t'arrêtes à 2 heures exactement pendant la fête. Ferme tes yeux et envoie-moi un baiser, car mes yeux seront fermés aussi. Et d'ici, je t'enverrai un baiser aussi. Il n'est pas l'homme le plus adorable du monde, mademoiselle. À une exception près. Bien,
C'est vrai, monsieur Gilbert est très gentil. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, ce sont des volontaires. Ils vont aussi en Afrique du Sud, mademoiselle? Oui, chérie. Ils s'en vont secourir nos pauvres soldats à Mafeking. Ils ont donc besoin de secours, nos soldats à Mafeking? Les Boers les ont cernés, Sarah. Et nous n'avons pas pu forcer leur ligne pour aller à leur aide. Oh. Ils sont épuisés, à bout. Et ils ont faim. Mais ils tiennent quand même comme de vrais soldats anglais. Mademoiselle, mon papa est à Mafeking. Oh, chérie, je suis désolée. Je ne savais pas. Oh, mademoiselle. Oh, ne pleurez pas, chérie. Je suis sûre tout ira bien. Bonjour, monsieur Gilbert. Bonjour, Martha. Est-ce que mademoiselle Sarah est prête? Oui, monsieur, elle descend tout de suite. Merci. Oh, alors, nous sommes prêts? Bonjour, Gilbert. Les deux plus ravissantes créatures du monde. Mais vous n'êtes pas en costume de cheval? Oh, je ne peux pas aujourd'hui. Il faut que je donne des leçons particulières. Ça prendra tout l'après-midi? Oui, je le crains fort. Il faut que Rosalinde apprenne à épeler Constantinople. Mon Dieu, ça va prendre des mois. Ne vous inquiétez pas. Nous y allons? Vous avez pleuré? Mais oui, il y a encore des larmes dans vos yeux. C'est le brouillard de Londres. Eh bien, si ce n'est que ça, allons-y alors. Monsieur Gilbert, ça vous ennuierait beaucoup qu'on ne monte pas aujourd'hui? Pas du tout, chérie, mais puis-je savoir pourquoi? Je voudrais vous parler. Très bien. C'est au sujet de Mafeking. Est-ce que nos soldats sont vraiment épuisés et mourant de faim et cernés? N'est-ce pas, mon papa y est, il faut que je sache. Oh, ce n'est pas si terrible que ça. Ce n'est pas une partie de plaisir pour nos hommes, c'est vrai. Mais ils tiennent bon. Et nous envoyons des renforts tous les jours. Et je suis sûr qu'ils vont délivrer Mafeking d'un moment à l'autre maintenant. Ça devient de plus en plus dur de me faire semblant que papa n'est pas en danger. Ne vous inquiétez pas. Tenez, à ce propos, je vous confie un petit secret. Je viens de m'engager, et bien que je ne veuille pas que Rose le sache tout de suite, je vais partir bientôt là-bas, moi aussi. À Mafeking? Alors vous allez aider papa? Et comment? On le tirera de là. Nom d'un chien, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Réponds-moi, espèce de malappris, qu'est-ce que tu fais là? N'ayez pas peur, Sarah, ce n'est que mon grand-père. N'en croyez rien, mademoiselle. Je l'ai déshérité à sa naissance. Et au fond, nous nous aimons beaucoup. Mais naturellement. Quoi? C'est absolument faux. Voudriez-vous, je vous prie, ne pas crier après mon élève qui me rapporte le plus? Élève? Rapport? Qu'est-ce que tu viens me chanter là? Je suis le professeur d'équitation de ce sélect pensionnat de jeunes filles. Tu profites de mon absence pour devenir professeur d'équitation? Et à la porte de chez moi, que fais-tu de ton amour propre? Il faut manger et l'amour propre c'est mince comme régime. Chantage, hein? Tu veux que je te paie pour quitter cette place? N'y avais pas pensé, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Bah je te laisserai plutôt couper en morceaux. Attends que je vois la femme qui dirige cette pension. Je vais te mettre des bâtons dans les roues. Faites-le. Elle sera ravie de savoir que mon grand-père est Lord Wickham. Je suis sûr qu'elle m'augmentera. C'est fini maintenant, Mrs. Sahib. Lord Wickham va venir. Alors moi, je m'en vais. Oh, l'impudence de ce malappris. Tout à fait son père. Garçon d'écurie. Oh. Peut-être que vous l'aimez bien, mais je ne crois pas que lui vous aime beaucoup. Oh, il n'est pas méchant. Il fait plus de bruit que de mal. Je l'espère. Qu'est-ce qu'il a donc contre vous? Oh, il n'a rien du tout. Il était fâché avec mon père et j'ai été mêlé à leur histoire. Ce qu'il veut vraiment, c'est que je me mette à genoux devant lui et que je lui demande de m'aider. Il me mangerait dans la main si je le faisais. Je crois que ça ne me plairait pas beaucoup qu'il me mange dans la main. Et moi, est-ce que ça vous plairait que je vous mange dans la main? Vous? Oh, ce ne serait pas la même chose. Bien, je le ferai. Si vous me rendez un service très important. Oh, je pourrais? J'ai idée que vous êtes la seule au monde qui puissiez me rendre ce service-là. Je veux que vous alliez faire des courses avec Mademoiselle Rose mercredi.
Des courses? Bien, c'est un prétexte qui en vaut un autre pour Mademoiselle Méchain. Écoutez. C'est vrai? Mademoiselle Rose? Est-ce qu'elle a dit oui? Oh, ça, c'est merveilleux! Non, pas à Anne qui vive, pas même à Émilie. Bravo! Maintenant, il faut que je parte. Il faut que je fasse des courses préliminaires. Ce n'est pas la peine de me dire ce que c'est. Quelque chose en or et qui brille. Exactement. Entrez. Que voulez-vous? Je suis très occupée. Mademoiselle, je voulais vous demander quelque chose. Ah, c'est vous. Qu'y a-t-il, chérie? Je voudrais vous demander une grande faveur. Oui. Monsieur Gilbert part à la guerre aujourd'hui. Il a été si gentil avec moi. J'ai pensé que je devais remplir mes obligations sociales en faisant quelque chose pour lui. C'est ce que vous nous apprenez, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous fait une gentillesse, on lui en fait une en retour. Bien faire quelque chose pour Monsieur Gilbert fait à peine partie de vos obligations sociales, Sarah. Mais qu'avez-vous l'intention de faire pour lui? L'inviter à prendre le thé. Ici, à l'école? Oh, je vous en prie, puisqu'il s'en va à la guerre. Bien, ce serait peut-être admissible, étant donné que c'est un de nos professeurs. Il est inutile de mettre vos camarades au courant, cependant. Bien, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Oh, merci, mademoiselle. Quelque chose, Gilbert. Après tout le mal que la petite Sarah s'est donné. Je crois qu'elle comprendra. Tu as oublié ton alliance? Oh non, Gilbert. Tu vois? J'ai toujours peur d'oublier et de la porter devant Mademoiselle Méchain. C'est ce que j'ai fait hier et heureusement pour nous, elle ne l'a pas remarqué. Comme je serais content de pouvoir lui dire. On ne peut pas encore, chérie. Je sais. Tu regrettes de m'avoir épousée? Comme si tu ne le savais pas. Je voulais seulement t'entendre me le redire. Oh, mon amour, je vais revivre cette dernière semaine pendant chaque moment que je serai loin de toi. Alors nous ne serons plus séparés, n'est-ce pas? Parce que je la revivrai moi aussi. Je croyais que vous receviez M. Hamilton pour le thé. Je le reçois, je veux dire, je le recevais, mais... Qui est dans cette pièce? Oh, je vous en prie, mademoiselle, n'entrez pas. Mademoiselle, Rose et moi, nous... Nous nous disons adieu, mademoiselle. De quel droit compromettez-vous la réputation de ma pension? Il n'y a rien eu qui puisse compromettre votre précieuse réputation. À dire vrai, Rose et moi... Gilbert, je vous en supplie. Oh, dites, mademoiselle, tout ça, c'est de ma faute. Silence. Comme vous n'êtes là que pour vous dire adieu, faites-le donc. Maintenant. Adieu, Gilbert. Au revoir, Monsieur Gilbert. Au revoir, chérie. Sarah, j'attends de vous une explication pour ça. Oui, mademoiselle. Dès que j'en aurai trouvé une. Coincé. Comme dira depuis presque 8 mois, envoyons des renforts à Mafeking. Jusqu'au dernier homme que nous ayons. Parfaitement. Non. Je vous dis que... Non. Oh, mon fils. Mon fils. Mon fils. Oh, ils ont tué mon fils. Je sais que les soldats doivent supporter beaucoup. Et mon papa est très bon soldat. Mais il y a si longtemps qu'ils attendent. Je vous en prie, faites vite quelque chose pour Mafeking. Ou ils seront perdus. Et mon papa ne reviendra pas. Oh.
oui, chérie, n'est-ce pas merveilleux? Sarah, oh, mademoiselle Rose, ils sont sauvés. Papa et monsieur Gilbert sont sauvés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Ma Peking est délivrée. Oh, mademoiselle, n'est-ce pas merveilleux? Vous attendez les cris de joie? L'anniversaire de Sarah tombe le jour même où l'on célèbre une glorieuse victoire des armées de Sa Majesté. Maintenant, Sarah, veuillez exposer à vos camarades vos désirs pour cette fête. Je suis très heureuse de vous avoir ici. Je pensais que j'aimerais faire des cadeaux aujourd'hui, pas seulement en recevoir, parce que je voudrais vous montrer combien je suis reconnaissante que mon papa ait été sauvé. Oh, mais non, non, non. Peut-on faire les cadeaux maintenant? Oui, mais les vôtres d'abord, Sarah. Oh, oui, vous savez. Ça, c'est le mien. Oh, merci, mademoiselle. Maintenant, je n'ai plus qu'à apprendre à coudre. Et ceci est de toute la pension, avec des images de votre Inde natale. Oh, je vous remercie toutes mille et mille fois. Je n'aurais plus à faire semblant si fort que je voudrais faire semblant d'être là-bas. Et maintenant, voulez-vous distribuer les cadeaux aux autres? Oui, s'il vous plaît. Ils sont tous ici, et tous vos noms sont dessus. Tenez, mademoiselle Rose. Oh, c'est gentil. Voulez-vous m'aider à donner les autres? Bien sûr, chérie. Et voilà pour vous, mademoiselle. Quelle vous, bonne chérie. Pensée, Sarah. Et... Voici pour vous, Jeannette. Oh, merci, mademoiselle. La part d'un vieux cabot à un autre. Moi, en des années plus heureuses, quand j'étais plus connue sous le nom de Bertrand Brandzinck. Oh, merci. Je crois qu'il faut que ce cadeau reste entre nous. Mine de rien. Mine de rien, c'est ça. Mais voilà pour vous. Merci. J'espère que ça vous plaira. C'est justement ce que je voulais. Mine de rien, vous savez. Et comment? Mademoiselle Sarah. Oh. Voilà mon cadeau, mademoiselle. Ce n'est pas très joli. Oh, merci, Sophie. C'est que de la flanelle, mademoiselle Sarah. Et la flanelle n'est pas très neuve. Comme c'est gentil, Sophie. Vous l'avez fait vous-même? Oui, mademoiselle Sarah. Je l'ai fait la nuit. Je savais que vous pourriez faire semblant. C'était des diamants sur du satin. C'est merveilleux, Sophie. Ça me plaît beaucoup. Oh, vrai, mademoiselle. La flanelle n'est pas très, très neuve. Et ceci n'est pas très, très neuf non plus. C'est mon cadeau pour vous. Un cadeau pour moi, mademoiselle? Oui, Sophie, de tout mon cœur. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? C'est un scarabée d'Égypte. Mon papa me l'a donné parce que ça porte bonheur. J'aime mieux que vous l'ayez que n'importe qui que je connais. Oh, alors, mademoiselle. Oh, je crois que je vais tourner de l'œil. Oh non, Sophie. Pas maintenant. J'ai encore beaucoup d'autres cadeaux pour vous dans ma chambre. Oh, je ne sais pas quoi dire, mademoiselle. Vous êtes gentille, Sophie. Oh oui, c'est très joli. Oh, regardez le mien, mademoiselle. Oui. Pardon, mademoiselle. Oui. Maître Barreau du cabinet Pons désire vous voir. Aujourd'hui, je ne l'ai pas demandé. Il a l'air d'être tout à fait ennuyé, mademoiselle. Il attend dans votre bureau. C'est bien, j'y vais tout de suite. Mademoiselle Rose. L'écharpe est ravissante. Mademoiselle, vous n'oublierez pas de me dire quand il sera presque 2 heures. Ne craignez rien. Vous savez, j'ai un rendez-vous très important avec papa. Il va penser à moi à 2 heures exactement. Je surveillerai l'heure. Merci, mademoiselle. Oh, Sarah, je t'en remercie pour les mouchoirs. Ils sont ravissants. Tu ne crois pas qu'il est temps de couper le gâteau? Le gâteau? Oh oui. Asseyez-vous, maître Barreau. Combien avez-vous avancé pour cette fête? Une belle somme, j'imagine. Qu'est-ce que ça peut faire? Le capitaine Ray est très fortuné. Son chèque arrivera bientôt. Non, mademoiselle. Il n'y aura pas de chèque. Quoi?
Qu'est-ce que cela signifie? Feu le capitaine Ray. Feu le capitaine Ray? Le capitaine Ray est mort. Son nom figure à l'état des pertes ce matin. Et de plus, il est mort ruiné. Ruiné, mais... Mais sa fortune et ses mines... Tout ce qu'il avait, y compris ses mines, a été confisqué par l'ennemi. Alors cet enfant est absolument sans le sou? Elle me reste sur les bras avec rien? Elle est certainement sans le sou. Et vous reste certainement sur les bras. À notre connaissance, elle n'a pas un parent au monde. Mais nos comptes avec son père sont en retard. J'attendais un chèque et j'ai même avancé tout l'argent pour cette fête. C'est ce que j'ai compris. Oh, c'est monstrueux. Maintenant, il faut que vous fassiez un vœu. Et que vous souffliez toutes les bougies d'un seul coup. Mon vœu, c'est que mon papa soit de retour le plus tôt possible. Respirez bien fort. Je ne dois pas avoir de très bons poumons, n'est-ce pas? Je vais l'acheter à la rue. Vous trouvez que c'est sage, mademoiselle? Pensez à la réputation de votre pension. Ma pension? Bien, l'affaire pourrait s'ébruiter. Et ça pourrait ne pas sembler très bien aux parents de vos autres élèves. Oui, c'est exact. Bien sûr, on peut la contraindre à travailler chez vous. Jusqu'au moment où sa dette sera élevée. Ça demandera des années. C'est juste. Mais ça serait quand même mieux que rien du tout. Dépêchez-vous, les enfants, la glace fond. Merci, Sarah. Sarah, il est presque 2 heures, vous savez. Merci, mademoiselle. Papa, je pense à toi de toutes mes forces. Et je sais que où que tu puisses être, tu penses à moi aussi, toi. Oh, mademoiselle Rose, je l'ai senti avec moi, vraiment senti. Mademoiselle vous demande, chérie. Oh, très bien. Mes enfants, veuillez laisser vos cadeaux ici. Pourquoi? Où s'en vont-elles? Pourquoi n'apportent-elles pas leurs cadeaux, mademoiselle? Parce que vous n'avez pas le droit de les offrir. Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous saurez plus tard. Allez dans votre chambre. Mais mademoiselle... Sarah, montez chez vous. Tout le monde. Vas-tu m'expliquer ce que ça signifie? Que se passe-t-il donc, mademoiselle? Quoi que ce soit, tu aurais pu être plus gentille avec elle. Silence! Le capitaine Ray est mort. Son nom figure sur la liste aujourd'hui. Il laisse l'enfant sans un sou. Oh, mademoiselle. Vous irez lui dire. Je ne pourrai jamais, mademoiselle. Vous ferez ce que je vous dis. Oh, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi a-t-on interrompu la fête? Sarah, je veux vous parler une minute, chérie. Oh, chérie. Oh, mademoiselle Rose, qu'est-ce qu'il y a? Sarah, vous êtes fille de soldat. C'est-à-dire que vous devez être brave et courageuse, n'est-ce pas? Quoi qu'il puisse arriver. Oh, mademoiselle, est-ce quelque chose de terrible? Votre papa. Mais papa est sauvé. Ma Fekine est délivrée. Vous avez entendu vous-même. Les secours ne sont pas arrivés assez tôt. Pour lui. Son nom figurait sur la liste ce matin. Vous voulez dire blessé? Non, chérie. Mon papa... Oh, chérie, je suis désolée. Je ne le crois pas. Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas le croire. Il n'est pas mort. Ce n'est pas vrai. Vous avez... Oui. Disposé. Sarah, vous
vous comprenez, bien sûr, que cette chambre ne peut plus être à vous. Suivez-moi. À l'avenir, c'est ici que vous coucherez. Je me trouve dans l'obligation de vendre vos meubles et vos vêtements pour payer une partie de ce que votre père me doit. Normalement, je devrais vous envoyer à une institution de charité. Mais je vais vous garder avec nous. Vous aurez des tâches à remplir naturellement. J'espère que vous apprécierez ma bonté de ne pas vous renvoyer. Je n'ai pas pu trouver de robe noire parmi vos affaires. Aussi, une des élèves vous envoie ça. Enlevez la robe que vous portez, mettez celle-ci. Je vous envoie des chaussures. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon papa s'en va quelques jours, mais il sera vite de retour. Soudain, quand je n'y penserai pas, mon papa me tendra les bras. Il paraît que mademoiselle va vendre toutes ses affaires. C'est dégoûtant de nous avoir repris nos cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses maintenant de ta petite princesse? Oh, mademoiselle, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, Sophie. Merci. Sarah, je suis désolée. Sarah, dorénavant, vous ne mangerez plus avec nous. Remontez dans votre chambre, aplatir ces boucles et allez à la cuisine. Vous pouvez disposer. Mes enfants, Lambertine, veuillez reprendre votre ancienne place près de moi. Madame O'Connell? Oh, alors la patronne t'envoie ici, à ce que je vois. Mademoiselle Méchain a dit que je déjeune ici. Crois-moi, tu feras plus que déjeuner si tu travailles pour elle. Je serai heureuse de vous aider. Pas possible. Regarde-moi ça, regarde ce que tu fais. Tu seras privée de déjeuner. Marc, refais du pain grillé pour la salle à manger. Entendu. Ça monte. Voilà ton déjeuner. Mets-toi à l'autre table. Nous autres, nous ne fréquentons pas le grand monde. Laissez-moi vous servir. Ah non, mon petit, laisse-la servir seule. Assieds-toi et regarde-la manger. Peut-être que ça, ça te donnera une bonne leçon. Dites, Madame O'Connell, je peux donner mon déjeuner à Sophie? Je n'ai pas faim aujourd'hui. Tu peux bien le donner au chat, si tu veux. Et au travail. Lave-moi ces assiettes. Non, mademoiselle Sarah, je n'en veux pas. Le courrier est là.
Mademoiselle Rose? Donnez-moi le courrier, je vous prie. Mon cher amour, j'étais comme fou, ne sachant comment faire pour t'aider depuis que j'ai reçu ta lettre. Mais tout s'arrange. Grand-père s'est montré moins sévère. Je prie Dieu pour que cet argent et mon amour t'aident à surmonter l'épreuve qui t'attend. Gilbert. Vous dites que cette jeune fille est professeure dans votre pension. Elle l'était, mais je l'ai renvoyée aujourd'hui. Il est peu probable qu'on la revoie jamais. Et moi qui étais décidé à faire cadeau à Gilbert d'une jolie somme à son retour. Et même comme un jobard, je lui ai envoyé un chèque. Alors j'ai bien fait de garder ceci. Il l'a endossé au nom de Rose. Vous n'aimez pas beaucoup la jeune personne, n'est-ce pas? Naturellement, après ce qu'elle a fait. Vous êtes certaine qu'elle n'a pas de droits légaux sur lui? Je l'ai recueillie quand elle était toute enfant. Est-il possible qu'elle ne m'ait pas consulté si leur amour avait été convenable? Ramdas! Oui, Saïm. À l'avenir, s'il arrive des lettres ou des câbles de M. Gilbert, ils doivent être retournés sans être ouverts. Très bien, Saïm. Sophie? Entrez, Sophie. Tant mieux que vous ne dormiez pas, mademoiselle. C'est une de ces nuits très longues. Oui. Je me demande où est mademoiselle Rose. Je vais tellement m'ennuyer d'elle. On est toutes seules au monde maintenant, n'est-ce pas, mademoiselle? Non, non, nous ne sommes pas seules. Il y a mon papa, vous savez. Votre papa? Mais la cuisinière dit que... Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas mort. Il est malade ou blessé, c'est pour ça qu'il n'écrit pas. Mais il n'est pas mort. Comment le savez-vous, mademoiselle? Il y a quelque chose en moi qui me le dit. Et même quelquefois, je l'entends qui m'appelle. Oh, alors, mademoiselle. Bertrand! Mais tu fumes? Comme tu vois, aujourd'hui, ma jolie, toute l'armée anglaise est derrière moi. Cet uniforme, tu vas à la guerre? Oui, et dans la gueule du canon, s'il le faut. Mais pourquoi? Parce que, ma vieille, j'en ai assez de ton sale caractère. Et ta façon de traiter Rose et la petite Sarah, c'est la fin de tout. Je préfère les horreurs moins pénibles du champ de bataille. Est-ce que tu aurais l'audace de me critiquer? Extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ça prouve que je suis capable de conduire mes hommes entre les mâchoires de la mort. Si tu fais ça, tu n'auras plus rien à attendre de moi. Qu'est-ce que ça peut me faire? Car si le Boer assoiffé de sang m'épargne, les planches reverront à nouveau l'inimitable Bertrand Pralzin. Bertrand, tu ne me ferais pas ça à moi. Ah non, tu crois? Bien à la revoyure, mon pote. Monsieur. Oui, ma petite. Étiez-vous au siège de Mafeking? Oui, c'est là que j'ai stoppé la balle, tu m'as stoppé. Alors vous connaissez mon papa? Ton papa? Comment s'appelle-t-il, ma petite? Capitaine Robert Ray. Ton père, un capitaine? Oui, on me dit qu'il est mort, mais je sais que ce n'est pas vrai. Et j'ai demandé ces nouvelles à beaucoup de soldats. J'espérais que vous sauriez. Non, petite, je regrette, je ne sais pas. Pourquoi ne demandes-tu pas à l'hôpital, là? Peut-être qu'ils pourront te renseigner. Merci, monsieur, je vais le faire. Pardon, monsieur. Eh bien, par exemple, voilà la petite princesse. Tiens, monsieur Bertrand. En personne. Mais je croyais que vous étiez à la guerre. Non. Le ministre voulait que j'y aille d'abord.
Puis il m'a dit, Bertrand, mon vieux, les blessés ont besoin de toi. Alors reste pour égayer les pauvres gars qui ont été blessés en combattant pour notre cause. Alors pratiquement, c'est moi qui dirige cet hôpital. Oh, monsieur Bertrand, croyez-vous que mon père y soit? Votre père, princesse? Oui, parce que je suis sûre qu'il n'est pas mort. Et je le cherche partout. Il pourrait être parmi les blessés, n'est-ce pas? Oui. Je suis presque sûre qu'il y est, quelque part. Si vous êtes le chef, est-ce que je peux aller voir s'il y est? Bien. Je vous en prie. Oui, oui, mais certainement. Des choses comme ça arrivent, vous savez. Monsieur Bertrand, pourquoi ne vous salue-t-il pas si vous êtes le chef? Bien, la discipline dans un hôpital est plutôt relâchée. Oh. Eh, dis donc, Major, on te demande dans la salle B, il y a du nettoyage à faire. C'est très bien, je vais envoyer un de mes hommes arranger ça. Envoyer un de tes quoi? Bien, 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 deux de mes hommes alors, disposez. Ordonnance! Mon colonel. Que fait cet enfant ici avant l'heure de la visite? Mon colonel, Mon colonel, Major est en train de m'aider à chercher mon père. Le Major? Pour elle, mon colonel. Nous sommes de vieux amis. Je connaissais son père, le capitaine Ray, signalé tué à Mafeking. La petite est certaine qu'il y a une erreur et je l'aide à chercher parmi les blessés. Pourriez-vous me renseigner sur mon père, colonel? Je regrette, petite, je ne peux pas. Poursuivez, Major. Oui, mon colonel. Merci, mon colonel. Allez-y, faites le tour. Le père de cette petite a été tué, mais ne veut pas y croire, alors je l'aide à chercher. Allons dans une autre salle. Chante-nous une chanson. Attention les bons. Garde à vous. Inspection officielle. Il n'est pas là non plus. Mais peut-être que l'un d'eux sait quelque chose sur lui. Pardon, monsieur, étiez-vous au siège de Mafeking? J'y étais, ma petite, et c'est là que j'ai pris les fièvres. Et le moustique qui m'a piqué n'était pas plus gros qu'une tête d'épingle. Ah, les moustiques là-bas sont pires que les balles. Alors peut-être que vous ne connaissez pas mon papa. J'aurais même pas reconnu mon propre père, avec cette sale fièvre qui me tenait. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi, mon petit. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous étiez à Mafeking? Oui, oui, bien sûr que j'y étais. C'est là que je me suis sauvé, tu sais. Avez-vous connu mon père, le capitaine Ray? Oui, oui, bien sûr. Celui-là, c'est un bel officier. Il doit être brave. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Où est-il maintenant? Où est qui? Mon père! Oh, un soldat de plus ou de moins, ça ne compte pas beaucoup, tu sais. J'en fais des mille et des mille pour l'Angleterre. Tu vois? Des beaux gars solides qui n'auront pas peur comme je l'ai eu. C'est le bruit qui m'a fait peur. C'est pour ça que je me suis sauvé, tu sais. Il connaît mon papa, mais il ne veut rien dire. Il vit dans un rêve, Sarah. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Venez, chérie. T'en vas pas, chante-nous quelque chose. Chante-nous quelque chose, Bertrand. Qu'en dites-vous, Sarah? On leur chante quelque chose pour les égayer? Notre grand succès, hein? Pas aujourd'hui, monsieur Bertrand. Oh, allons, chérie, essayons d'oublier nos ennuis et faisons quelque chose pour eux. C'est oui? Très bien, je vais essayer. À la bonne heure. Que dites-vous de drôle de balade? Oui, c'est ça. Marc va vous accompagner. Allez, vas-y, Marc. Bien, bon, soit les rois de la balade, moi et la bourgeoise, on fait notre balade chaque soir. C'est une partie de rigolade. Il faut voir notre petit bourricot. On va, mais lui s'arrête aussitôt. Je dois sauter de voiture bientôt.
Si, on, le frappe, il tombe sur le dos. Ça peut être têtu, un bourrico. Et là, nous crie les voisins. Ou battu de bâton, pote, t'as gagné le gros lot, pote. Oh, oh, qui sont trop les copains. Donc on s'amuse bien. Je ne me sauverai pas trop souvent, princesse. Vous finirez par être punie. Je regarderai bien chaque fois qu'un convoi de blessés arrivera. Vous ne croyez pas vraiment qu'il reviendra, n'est-ce pas? Si, bien sûr, je le crois. Je vous l'ai dit, les hommes disparus se retrouvent souvent. Alors il vaut mieux que je vienne. Vous ne le reconnaîtrez peut-être pas s'il a beaucoup changé. Très bien, chérie. Venez. Au revoir, monsieur Bertrand. Au revoir, chérie. Vous avez faim? Mais, pauvre petit, vous n'avez rien à manger avec cette neige. Bonjour, petite Missy Saïb. Bonjour, Ramdas. C'est le déjeuner de vos amis? Oui, mais je n'ai pas pu leur garder grand-chose de mon souper d'hier soir. Oh, la vie est dure pour eux quand arrive la neige. Rani, Rani! Rani, Rani, on dirait que tu te rends compte que tu as mal fait et que tu es ravie. Rani, Rani, tu n'as pas honte? Voilà, sur la bibliothèque. La bibliothèque? Oh oui, c'est vrai. Pour vous dire que je fais semblant que c'est une bibliothèque remplie de beaux livres. Bon, alors il faut que je l'enlève avant que vos belles reliures soient abîmées. Rani. C'est votre chambre, Missy Saïb? Oui, c'est tellement petit et tellement haut perché que c'est presque comme si c'était un nid dans un arbre. Je peux m'allonger sur mon beau divan et regarder le ciel à travers la petite fenêtre qui est dans le toit. Le divan? Ça ressemble plus à un beau divan quand il est fait. Et je peux faire semblant d'avoir de beaux coussins bien doux pour me prélasser. Il y a du feu quelquefois, bien sûr. Bien, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire semblant. Surtout quand il fait nuit. Mais c'est très bon quand on peut. La grille brille quand elle est bien astiquée et le beau charbon luisant remplit le foyer. Oh, vite, mademoiselle. La cuisinière vous demande et elle est furieuse contre vous. Oh, mon Dieu, excusez-moi si je cours. Il faut que j'aille chez le boucher. J'aurai une gifle si je ne me dépêche pas. Oui, Missy Saïb. Écoute-moi ça, un navire hôpital arrive, 1200 blessés sont débarqués. Est-ce qu'on donne leur nom? Il n'y a pas de lit. Oh, j'espère que mon pauvre Henri est dans ceux-là. Un mari blessé, c'est encore mieux que pas de mari du tout, hein, Marthe? Oh, Sophie, il faut que je sois à l'hôpital avant 9h parce qu'après on ne peut plus entrer. Il faut que j'y arrive. Oui, mademoiselle. Oh! Oh! Petit imbécile! Est-ce que c'est comme ça que tu te passeras de souper? Oh, madame, elle n'a déjà pas eu de dîner. Vous avez desservi la table avant qu'elle soit revenue des courses. Non, mais dis donc, à qui crois-tu parler? Tu ne souperas pas, toi non plus. Et nettoyez-moi ça! Allons, plus vite que ça! Il y a des cas graves dans ce convoi, major. Oui, pauvre diable. Bonjour, major. Bonjour. Cet homme n'a pas d'identité. Ses papiers sont perdus. Il délire après un accès de paludisme. Je trouve son état assez inquiétant. Anémie, poux agité, respiration faible, ce n'est pas étonnant. Mais il délire toujours. Il n'a pas de moment lucide. Paralysie passagère d'un centre nerveux. Ou thrombose, peut-être. Plutôt une thrombose, major. Il a une belle blessure à la tête. Sarah. Sarah. Il ne cesse pas un instant d'appeler cette Sarah. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est? Pas moyen de savoir, major, avant que son identité soit établie. Sarah. Sarah. Je
Partez maintenant, mademoiselle. Je finirai pour vous. Merci, Sophie. Il faut que je coure. Oui, mademoiselle. Hé, là, pas si vite, ma petite. Où est-ce que tu vas comme ça? Mais... Mademoiselle Lambertine demande du charbon dans sa chambre. Porte-lui un. Oh, Sarah! Que tu as l'air fatiguée et tu as l'air d'avoir faim aussi. C'est pas possible que tu aies vraiment faim, Sarah. Si, si, j'ai très faim. J'ai tellement faim que je pourrais te manger. Remets-en encore. Mon père fait la note. Maman, notre princesse a l'air d'être pressée. Se pourrait-il qu'elle aille à un bal? Attends, reviens ici et nettoie le foyer. Donne-moi mon châle, le rose, il est sur mon lit. Couvre-moi, je te prie. Je trouve qu'il fait un petit peu frais. Bonsoir, princesse. Qu'est-ce que tu fais dehors si tard? Je suis venue voir les blessés qui sont arrivés aujourd'hui. Pas ce soir, ma petite. C'est l'heure de fermer. Mais il faut que j'entre. Je me suis sauvée exprès pour ça. Voyons, ma petite fille, calme-toi. Laissez-moi entrer. Je suis sûre qu'il est là cette fois. Tu es sûre chaque fois, princesse. Je regrette. Pour rentrer chez toi et tu reviendras demain matin. Sois une brave petite fille. Très bien. Bonsoir, petite. Il se remettra très bien des effets de la fièvre, mais je crains qu'il ne fasse de l'hypertension crânienne. Vous êtes partisan d'une opération? Oui, vous êtes d'accord? Tout à fait. Et le docteur McNish d'Édimbourg est tout indiqué. Oui, parfait, parfait. Vous ferez partir cet homme avec le convoi d'Édimbourg demain matin. Oui, monsieur le major. Sarah, où êtes-vous allée? Répondez-moi, vous êtes sortie, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Vous avez osé désobéir à mes ordres? Il le fallait. Il fallait que je recherche mon père. Cette recherche ridicule de votre père, toujours faire semblant au lieu de regarder les choses en face, c'est indécent. J'en ai assez, il faut que vous compreniez une fois pour toutes que votre père est mort. Vous n'êtes pas me dire ça, il n'est pas mort, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vous qui m'empêcherez de le chercher non plus! Comment osez-vous me parler sur ce ton, espèce de petite insolente? C'est bon, vous aurez de mes nouvelles demain matin. Je ne peux plus être ton soldat plus longtemps. J'ai trop froid et j'ai trop faim aussi. Tu entends? Non, t'entends pas et tu t'en moques. Tu n'es qu'une poupée. Une poupée. Tu n'as jamais eu un cœur pour comprendre. Tu n'es qu'une poupée.
Altesse, pardonnez-moi, mais la cour est fort troublée. Une femme à la porte mène grand scandale à cause d'un baiser volé. Je ne peux pas la recevoir. Qu'elle revienne un peu plus tard. Je lui ai dit sur tous les tons, vous devez la voir, sinon elle criera à tue-tête. Dis-lui, tête, elle ne veut pas se taire. Empêche-la de braire. Je crains qu'il n'y ait rien à faire. Je ne veux pas me taire, il n'y a rien à faire. Je connais mes droits, je connais la loi. Et je ne sais aussi ce que je vois. Qu'avez-vous vu? Je vis un crime. À ma cour, ça m'étonne. Ce pervers prit un baiser à cette donzelle effrontée. Leur candeur est bien imitée. Ce sont des monstres, majesté. Il est une loi, m'a-t-on dit, contre les baisers ici. Il est une loi qui dit ceci. Vol de baiser interdit. Oh, mes princesses, j'ai dans l'idée que ce baiser ne fut pas volé. Silence, fou, je connais la loi. Et quand je dis je vois et j'en vois. Et je rime tout en voix. Pas voix, vous voix, en voix, sa voix. Pas voix, vous voix, en voix, sa voix. Je vois, tu vois, il voit, elle voit. C'est peut-être vrai après tout. Et si c'est vrai, qui pouvons-nous? À mon avis, faut s'adresser à ce dérobeur de baisers. Je proteste, inconcevable, il ne dirait que des fables. Qu'il s'explique. Venez, jeune homme, qu'avez-vous à dire, en somme? Pardon, Altesse, je confesse, devant son charme, sa jeunesse, je n'ai pas pu résister à lui prendre un doux baiser. Lors j'en pris un, et même deux, c'était vraiment délicieux. Lors en prit un, et même deux, c'était vraiment délicieux. Là, il a violé la loi, quand je dis je vois, je vois. Vous n'allez pas recommencer. Mais il vola deux baisers. Oui, ça m'a l'air vrai au fond, et ça vaut une punition. Oh, mais... De grâce, un seul mot. Ce qu'on vous a dit est faux. Altesse, ce baiser ne fut pas pris. Je l'ai donné moi-même. Coste. Vous voyez, j'avais dans l'idée que ce baiser ne fut pas volé. Je ne suis pas sûre. C'est compliqué. Pourrais-je revoir ce baiser? Vous disiez vrai, j'ai dans l'idée que ce baiser ne fut pas volé. Oui, la loi fut respectée. Cet homme est faussement accusé. L'un et l'autre, ils ont eu raison. La vieille doit aller en prison. Tout ça, elle est méchant, vilain. Princesse, je ne suis qu'un être humain. Écoutez la vieille pleurnicharde, guéffée, gredine, mégère, moucharde. Il faut l'exiler pour toujours, va-t'en sans espoir de retour. Il faut l'exiler pour toujours, va-t'en sans espoir de retour. Quand je dis je vois, je connais mes droits, je connais la loi. Prenez place à mes côtés. Votre baiser m'a éclairé. Merci, princesse. Ce n'est pas moi, c'est ce baiser qui vous sauva. Maintenant qu'est rendu ce jugement, nous passons au divertissement. Place aux danseurs, place aux chanteurs, place à la joie et au bonheur. Excellente danseuse. Et je l'ai déjà vue, mais où?
joli rêve. J'ai même bien chaud. Je ne veux pas me réveiller. Je ne suis pas réveillée. Je ne suis pas réveillée. Ben oui, je rêve. Je dois rêver. Mais ça semble chaud. Sophie! Sophie! Venez vite! Sophie! Sophie! Oui, mademoiselle Sarah? Sophie! Gardez! Oh, mademoiselle! Voyez-vous ce que je vois? Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, je ne crois pas ce que je vois. Bien ça, alors. Est-ce que vous sentez ça? Oui, mademoiselle. Alors dites-moi ce que vous voyez. Je vois du feu, mademoiselle. Et une table et de quoi manger, et une carpette, et une lampe, et des pantoufles. Mais oui, mademoiselle Sarah. Comment c'est venu ici? Vous avez fait semblant si fort que c'est venu? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais fait semblant aussi bien que ça. Regardez, Sophie! Si la petite Missy Saïb savait, elle serait déjà ici pour vous remercier. Je ne veux pas qu'elle sache. Qui demande des remerciements? Oh, mademoiselle, vous êtes belle! Merci, Sophie! Maintenant, essayez celle-là! N'est-ce pas jolie, Sophie? Aussi, mademoiselle. C'est parfait! Et c'est du vrai satin. Maintenant, essayons les pantoufles pour voir si elles sont vraies. Est-ce que ça vous donne l'impression de pantoufles? Elles sont douces et chaudes. C'est doux et chaud aussi là-dedans. C'est aussi vrai que nous sommes là. Je ne crois pas que ce soit un rêve après tout. Croyez-vous que le repas soit vrai aussi? Allons voir. Je trouve que ça sent l'omelette et vous? Mon Dieu, une omelette aux tomates. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des brioches. Oh. Ça a bien le goût de brioche. Ça en est une? Une brioche où je perds mon nom? Ça doit être de la magie, mademoiselle. Je crois qu'il faut se dépêcher des fois que ça disparaîtrait. Oui. Et comment a-t-il passé la nuit? Il s'est bien reposé, monsieur le major. Allons-nous pouvoir l'envoyer avec les autres? Oh oui, il peut supporter le voyage. Qu'ils soient prêts à partir avec le groupe D. Ils doivent partir dans une heure environ. Bien, monsieur le major. Il paraît que tu es puni. Tu crois qu'on peut lui offrir un chocolat? Bien, tu peux lui faire sentir. Oui, mademoiselle ne trouve rien à redire à ça. Tu veux sentir? Je ne veux pas les sentir et je ne veux pas les manger, merci. Tu ne veux pas? Pourquoi? J'ai eu des choses meilleures que du chocolat ce matin. Oh, écoute-moi la princesse, elle fait encore semblant. Je ne fais pas semblant. J'ai eu ce matin le meilleur petit déjeuner que personne n'ait jamais eu. Espèce de petite menteuse, tu n'as pas déjeuné du tout ce matin. Je te demande pardon, mais j'ai très bien mangé. Et excuse-moi de te le faire remarquer, mais ce n'est pas poli d'appeler les gens menteurs. Comment oses-tu me répondre sur ce ton? J'ai osé faire ça? Mon Dieu! Oh! Oh! Vraiment désolée! Oh! Attends que je raconte ça, mademoiselle! Oh! Bien. Tout est encore là, Sophie? Oui, mademoiselle. Dieu merci, il ne pleut plus. Vous allez quelque part, mademoiselle Sarah? Je vais à l'hôpital. Oh, Sophie, peut-être que maintenant tout va changer pour nous. Peut-être que je vais retrouver papa cette fois et qu'il nous emmènera d'ici. Mon Dieu, c'est mademoiselle. Sarah, vous osez? Mais que s'est-il passé ici? C'est ce qu'on voudrait bien savoir. Quand je me suis réveillée ce matin, tout était là, même le petit déjeuner et le feu.
D'où viennent toutes ces choses-là? Je ne sais pas. À moins que ce soit le rêve que j'ai fait cette nuit, il était si joli qu'il est peut-être devenu vrai. Mais ce sont des objets de luxe qui valent cher. Vous les avez volés, n'est-ce pas? Oh non, mademoiselle, on ne les a pas volés, je vous jure. Pour la dernière fois, dites-moi la vérité. Mais je vous ai dit la vérité. C'est venu comme ça. Oui, c'est vrai, mademoiselle. Toi, va dans ta chambre. C'est une affaire qui regarde la police. Je vous en prie, mademoiselle, n'appelez pas la police. Mais si, je vais l'appeler. Oh, mademoiselle! Nous voilà des vraies prisonnières, mademoiselle Sarah. Et la police va venir nous arrêter. Il ne faut pas qu'on m'arrête. Les nouveaux blessés sont arrivés à l'hôpital et je dois y aller. Je me demande comment vous ferez, mademoiselle. On est enfermés. Allons, Sophie, vite. Où allez-vous, mademoiselle Sarah? Suivez-moi. Oh, ce que j'ai peur, mademoiselle. J'ai peur aussi cette fois, Sophie. Donnez-moi la main. Attention. Oh, alors. N'ayez pas peur, Sophie. À quoi est-ce que vous jouez, petite Missy Saïd? Pouvons-nous passer par chez vous? Nous sommes poursuivis par la police. C'est un très joli jeu. Voulez-vous entrer? Oui, s'il vous plaît, nous voudrions bien. Vous semblez très pressé, Missy Saïd. Ne pouvez-vous attendre pour prendre une tasse de thé? Oh non, merci. Nous sommes beaucoup trop pressés. Ah, je vois. Vous jouez toujours au jeu de la police. J'espère que vous leur échapperez, Missy Saïd. Moi aussi. Oh, alors, la police. Les voilà, arrêtez-les. Oh, Sophie, courez, courez. Sarah! Sophie! Arrêtez-vous! Sophie! Sarah! Courez après l'autre! Moi, je me charge de ce fils. Viens là, toi! Attention, ne glissez pas, Sophie! Sophie, où êtes-vous? Dans les voitures, madame. Je n'ai pas pu la retrouver. Savez-vous où elle pourrait aller? Mais oui, cochez. Oh. À l'hôpital en bas. Et faites vite, je vous prie. Sarah. Sarah. Il n'arrête jamais de l'appeler. En arrière, mettez-vous à gauche. Reculez-vous un peu, messieurs, dames, s'il vous plaît. Reculez-vous un peu, merci. Ah, il ne faut pas entrer aucun visiteur pendant une heure. Mais il sera peut-être trop tard. Allez-vous-en, petite, allons. Voilà une gentille petite fille. J'en regrette, monsieur, aucun visiteur pendant une heure. Mais il faut que nous entrions. J'en regrette, monsieur, vous pouvez vous mettre là-bas si vous voulez. Sans les ordres. Avez-vous vu le capitaine Maurice? Je crois qu'il vient de traverser le hall, mademoiselle. Je regrette, ma petite, tu ne peux pas monter maintenant. Mais il le faut. Il faut que j'aille voir si papa est là avant que mademoiselle me rattrape. Allez, va-t'en, fais ce que je te dis. Et dis donc, toi, tu ne peux pas monter là. Tu vas te faire attraper. Reviens ici. Tu ne peux pas entrer là. Lâchez-moi, lâchez-moi. Il va voir s'il est là. Je le veux, je le veux. Que désire cet enfant? Oh, je vous en prie, ne me laissez pas renvoyer. Qui a-t-il, mon enfant? Mon papa. Ils disent qu'il a été tué à Mafeking, mais je ne veux pas y croire. Il est peut-être avec les nouveaux blessés et ils ne veulent pas que j'aille voir. Et si je ne peux pas, peut-être que je n'aurai plus jamais l'occasion. Faites qu'il me laisse le chercher. Colonel, veillez, je vous prie, à ce que cet enfant visite toutes les salles. Avec votre permission, j'irai l'accompagner personnellement, votre majesté.
Victoria et le vôtre. Sarah, oh votre majesté. Colonel, j'espère que vous retrouverez votre père, mon enfant. Toutes les salles, colonel. Oh, merci, votre majesté. Au revoir, ma petite. Au revoir. Avez-vous déjà été dans quelque salle? Non, pas aujourd'hui, monsieur. Il vaudrait mieux visiter Sethel d'abord. Nous sommes à la recherche d'un blessé. Bien, colonel. Allez-y, ma petite. Ça va? Merci, chérie. Mademoiselle Rose! Sarah! Chérie, Sarah! Oh, monsieur Gilbert, vous êtes là! Vous êtes de retour! Maintenant, vous pouvez me dire où est papa? Oh, Gilbert n'est pas allé jusqu'à Mafeking, chérie. Alors, vous ne savez pas? Vous ne l'avez même pas vu? Non, chérie. Je ne l'ai pas vu. Je le regrette. Vous l'avez retrouvé? Oh! Non, monsieur. C'est mon ami, monsieur Gilbert, et sa femme, monsieur et madame Hamilton. Je suis enchanté. C'est ennuyeux, je ne peux pas vous présenter, je ne sais pas votre nom. Je suis le colonel Gordon. C'est le colonel Gordon. Il m'aide à faire des recherches dans l'hôpital. Ne bougez pas. Mon colonel. Très heureux de vous connaître tous les deux. À Mafeking? Non, mon colonel. C'est simplement un mulet, et même un mulet anglais. Deux blessures, dont l'une à l'amour propre. Pardon, mon colonel, le blessé doit prendre... Oh, j'aimerais mieux revoir ce mulet. Je reviendrai vous voir plus tard, dès que j'aurai visité les autres salles. Je vous attends, chérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de revenir, Sarah. Je reviendrai. La pauvre petite. Elle gardera toujours l'espoir. J'insiste pour que vous alliez chercher mon frère. Très bien, madame. Mais on n'entre pas. Il n'y a pas de frère qui tienne. Nous allons entrer. Mon frère s'arrangera de ça. Bien, espérons-le, madame. Tout est plein pour l'instant. Cet homme devra attendre la prochaine ambulance. Très bien. Je crois qu'il vaut mieux que vous le mettiez dans la salle d'attente. Ce hall est plein de courant d'air. Entendu, mademoiselle. Je suis désolé que nous n'ayons pas trouvé votre père. Je vous remercie quand même, monsieur. Il se peut très bien qu'il vienne par le prochain bateau. Ne perdez pas espoir. Non, monsieur. Au revoir. Que Dieu vous garde. Au revoir. Je suis sûre qu'elles ont volé tout ça. Sarah, voleuse, c'est ridicule. J'ai des preuves et je veux la remettre entre les mains des autorités. Elle est dans cet hôpital et je veux la retrouver. Écoute-toi, si... J'exige qu'on fouille dans toutes les salles. Papa? Sarah. Papa! Oh, papa! C'est toi! Je t'ai retrouvé! Je t'ai retrouvé! Ils disaient que tu étais mort, mais je savais bien que non! Je savais que tu reviendrais! Oh, papa! Tiens-moi! Serre-moi bien fort! Tu ne t'en iras plus jamais sans moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Qu'est-ce que tu as, papa? Pourquoi ne me parles-tu pas? Sarah. Tu ne me reconnais pas, papa? C'est moi, Sarah! C'est moi, Sarah! Sarah, où est ma petite fille? Oh, papa! Pourquoi es-tu comme ça? Monsieur Bertrand! Monsieur Bertrand! Oh, papa, il faut que tu me reconnaisses! Regarde-moi! Regarde-moi! Oh, papa! Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer.
faut être bon soldat, tu sais. Mais j'étais un bon soldat, papa, et tu ne me reconnais pas. Ma petite Sarah ne pleurait jamais. Mais c'est moi, Sarah, c'est moi, Sarah. Oui, oui. Sarah. Sarah. Sarah, oh, ma petite fille. Oh, papa, tu me reconnais. Ma chérie. Tu me reconnais. Oh, papa. Sarah, ma petite. Oh, ne sois pas ridicule, Amanda. Alors, comment expliques-tu les couvre-pieds de satin, les robes de chambre et tout le reste? Peut-être qu'un petit oiseau les a amenés, peut-être aussi que c'est venu tout seul. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la petite Sarah ne volerait pas. Bertrand, oui? Bertrand, qu'est-ce que tu en dis, mon vieux? La petite princesse a retrouvé son père. Elle a retrouvé son père? Capitaine Ray est vivant? Bien sûr qu'il est vivant. Comment l'aurait-elle trouvé s'il n'était pas vivant? Oh, monsieur Bertrand, j'ai retrouvé papa. Chérie, est-ce que je peux être heureux? Oh, papa, Sa Majesté.